Bien. on va attaquer si vous le voulez bien. et j'en profite pour accueillir et pour saluer tous mes collègues de la commission de la défense puisque, comme vous le savez, on sort de deux semaines de, de suspension et que j'espère que chacun a, a pu mettre à, à profit ces, ces deux semaines à la fois pour ses activités parlementaires mais également pour recharger les batteries puisqu'on a plusieurs semaines intenses qui, qui arrivent. pour ma part, j'ai eu l'occasion de me rendre au niger, notamment à la rencontre de, de nos forces et et au Sénégal également, voir les éléments français du, du Sénégal. Euh, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, monsieur le délégué général. Alors, je ne compte plus le nombre de fois que vous êtes venu à l'Assemblée depuis le, le début du, du, du quinquennat. Euh, je voudrais profiter de votre présence pour vous remercier pour l'accueil qui, qui nous a été fait par les équipes de la DGA à Biscarros, site de DGA-EM, et c'est de, de missiles. On a vraiment découvert une infrastructure exceptionnelle et des personnels pleinement engagé et je crois qu'on mesure mieux tout le travail qui, qui est fait par ces équipes et également l'énergie qu'elles y, qu y mettent parfois dans des, avec des contraintes assez, assez fortes hein, en, euh, compte tenu de la, la charge de travail mais voilà on ressort d'une telle visite avec une grande fierté d'être français et d'autant plus quand euh, euh, on a un tiers d'essai M51 qui a été réalisé avec succès euh, quelques semaines plus tard je crois mi-avril mi donc voilà merci pour tout ce qui est fait pour la, la souveraineté du, du pays. Je rappelle mes chers collègues que nous attaquons la dernière semaine d'audition de, avant cette LPM, alors même que cette semaine les commissions des finances et des affaires étrangères vont exa examiner également pour avis le, le texte. Euh, comme vous le savez, nous examinerons ce texte pour notre part sur le fond dès mardi prochain à partir de, de 21h. De 21h. Euh, et que la conférence des présidents a inscrit ce matin la LPM au calendrier de la séance publique du lundi 22 mai à possiblement le vendredi 2 juin. Donc nous aurons deux semaines pour examiner pleinement ce texte en, en séance publique avec un premier galop d'essai, si je puis dire, aujourd'hui à l'occasion du, du débat proposé par le MEDEM concernant le, le rapport sur l'exécution de la LPM existante. Monsieur le délégué général, le projet de LPM intervient dans un contexte de profonde transformation de, de la DGA. Nouveau logo, nouvelle stratégie, euh, publiée il y a quelques semaines, et que d'ailleurs nous avons distribué aux, aux députés, euh, sur fond de transition vers une économie de, de guerre. Comment euh, cette transformation de la DGA contribuera à la transformation de nos armées promues par le projet de, de LPM la dg l'état major des armées définissent la feuille de route pour les futures capacités de nos armées. vous reviendrez certainement à ce titre sur les priorités et capacités retenues par ce projet de lpm. je ne cite plus l'ensemble des, des domaines. votre avis également sur les conséquences de l'étalement prévu sur certains programmes nous, seront, nous sera également précieux. Enfin, je sais que c'est un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. Peut-être euh, reviendrez-vous également sur les priorités en matière d'innovation, qui constitue un des points forts de la LPM, avec 10 milliards d'euros de besoins programmés, tout ça dans un, une capacité plus large d'investissement sur l'innovation, avec d'autres programmes également menés à l'échelle interministérielle, et on pense notamment à France 2030. Enfin, avant de vous laisser la parole, j'accueille ce soir dans le public six jeunes ingénieurs de, de l'armement. Nous étions allés à leur rencontre. Euh, euh, en janvier dernier sur le site de l'ENSTA à, à Saclay et ce soir il nous semblait intéressant également de leur proposer d'assister à cette audition et je voudrais les remercier pour ce beau choix d'ingénieur de, de, de l'armement, vous voyez j'ai déjeuné pas plus tard que ce midi avec François ici, avec le PDG actuel de DF qui est d'ailleurs un ancien ingénieur de l'armement, comme quoi les compétences qui sont développées pour être ingénieur de l'armement permettent vraiment d'avoir une expertise qui peut être valorisée dans bien des domaines. Voilà monsieur le délégué général, je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président. Euh, je suis évidemment très heureux d'être là, d'autant qu'on a eu un peu de, de difficulté à trouver une date, mais je suis effectivement en bonne compagnie et je vous remercie de faire euh, la euh, publicité, si j'ose dire, euh, des carrières que l'on peut trouver à la DGA, à des agents de Le vous savez, le sujet des ressources humaines qui euh, euh, nous impacte très profondément est un sujet de préoccupation afin de pouvoir euh, attirer et attirer notamment la jeunesse dans les carrières que nous, nous proposons. On pourra éventuellement en discuter. Donc je suis très heureux de d'être là pour ce moment assez euh, important, voire essentiel de notre défense. Je vais m'autoriser quelques propos liminaires. Comme vous l'avez dit, la loi de programmation militaire, c'est l'outil indispensable à la programmation de notre système de défense, nécessaire à la réponse euh, aux besoins des forces et, ne pas oublier, à la préparation de l'avenir. Et c'est finalement l'outil qui va nous donner à tous une visibilité partagée entre forces, DGA et industrie pour les sept prochaines années, mais pas uniquement, et j'y reviendrai dans un instant. Cette loi de programmation militaire nous permet de piloter avec cohérence le fonctionnement et l'évolution d'ensemble de notre système de défense. Et euh, nos discussions interviennent donc après une loi de programmation 19-25 qui constituait déjà un effort majeur et dont je crois que vous venez de, de discuter au sein de, de, de l'hémicycle, avec une trajectoire financière déjà en forte hausse avec 295 milliards d'euros alloués et pour la première fois une LPM qui a été exécutée à l'Europresse, qui a renforcé significativement la crédibilité de cet exercice de euh, programmation. Et donc je peux vous dire que nous veillerons à assurer cette même exécution à l'europrès pour la période 24-30. Pour cette période, c'est donc un effort financier inédit qui est proposé à la représentation nationale pour finir de reconstruire et pour transformer et préparer l'avenir. En termes de méthode, cette loi de prévention militaire, elle a été bâtie dans une coopération franche. Et j'aime toujours parler de, de communauté de destin entre les forces armées et la DGA. C'est véritablement ce, ce, ce qui s'est concrétisé avec cette coopération entre la DGA et l'état-major des armées, autour du ministre des armées. Et je suis sincèrement convaincu que cette loi de programmation répond au modèle et au format des armées proposé par le MA et retenu par le président de la République. Elle vise à garantir notre autonomie stratégique. À assurer nos engagements au titre de notre statut d'allié, de membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Elle porte l'ambition d'une France puissance d'équilibre. Et finalement, les priorités politiques et militaires qui en découlent et qui concernent directement la DGA, je ne mentionnerai pas les autres, sont les suivantes. Garantir la crédibilité dans la durée de la dissuasion nucléaire, qui est la clé de voûte de notre outil de défense. Nous en avions parlé il n'y a pas si longtemps. Et puis transformer nos armées pour conserver euh, notre supériorité opérationnelle, être en mesure de faire face à l'ensemble des menaces actuelles et futures, y compris dans les nouveaux espaces de conflictualité. Là aussi, on pourra y revenir. Et donc, finalement, le rôle de la DGA, c'est de fournir aux armées les moyens pour remplir leur mission, leur mission aujourd'hui comme leur mission euh, demain. Outre les programmes de la dissuasion, donc cela passe par trois vecteurs principaux. Ce qu'on appelle les PEM, donc les programmes à effet majeur, c'est-à-dire la soixantaine de projets les plus structurants pour les forces, qui représentent un effort d'environ 100 milliards d'euros dans euh, l'ALPM que nous proposons. Les études amont, alors on parle d'études amont, de projets de technologie de défense, mais c'est finalement les crédits alloués à la préparation de l'avenir et à l'innovation. Un thème, comme vous l'avez souligné, souligné, qui met assez cher, euh, qui s'élève à 7,5 milliards d'euros, inclus au patch de 10 milliards d'euros euh, que vous avez mentionné, dédié à la défense. Et puis les autres opérations d'armement, ce qu'on appelle les AOA, qui euh, vont s'élever à euh, 13 milliards d'euros et qui vont recouvrir euh, des opérations diversité, par exemple les commandes de stock de munitions euh, ou par exemple les commandes de radio. Euh, avec les opérations d'entretien programmé du matériel, pour un montant de 49 milliards, l'agrégat équipement atteint donc 268 milliards d'euros dans cette euh, LPM. Alors je vais faire un petit focus, enfin quelques petits coups de projecteur euh, sur euh, des éléments prégnants euh, du point de vue de la DGA. On a parlé de la dissuasion, le contexte du conflit en Ukraine. Le comportement de la Russie nous rappelle la réalité et la nécessité de la dialectique nucléaire et rappelle la pertinence pour la France de disposer de sa propre dissuasion. Le ministre des Armées a bien rappelé durant son audition que cette LPM s'appuyait sur l'héritage de notre modèle de défense. Et c'est sûrement, je parle de la dissuasion, notre héritage le plus solide c'est le fondement de la création de la DGA en 1961, j'étais venu vous en parler il y a quelques mois et j'ai réaffirmé l'importance de cette mission dans ma vision stratégique. D'ailleurs, je crois qu'on on a prévu quelques exemplaires hein, qui ont été distribués. Voilà. Euh, et effectivement, je me réjouis que vous ayez pu euh, vous, vous en rendre compte directement en visitant notre centre d'essai, euh, déjà essai de missiles à Biscarrosse. Il y a également l'île du, du Levant, pardon, euh, qui euh, constitue un site extrêmement euh, intéressant de ce point de vue-là. Et vous avez pu voir euh, en vraie grandeur ce que cela signifie réellement de disposer d'une dissuasion nucléaire crédible. La modernisation de nos deux composantes, composantes pardon, de la dissuasion vise à pérenniser la crédibilité de cette dissuasion, répond à un principe, comme vous le savez, de stricte suffisance. Dans la LPM 2430, elle se matérialise particulièrement par la poursuite des travaux sur les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération la mise en service du M51.3 doté de la future tête nucléaire océanique la préparation. Du M51.4, et puis euh, le renouvellement de euh, la composante nucléaire aéroportée avec l'ASN 4G qui euh, sera lancé dans sa phase de réalisation en 2025. Donc, la dissuasion, première chose, des objets nouveaux, puisque cette LPM a fait apparaître de nouveaux objets ambitieux qui sont nécessaires pour répondre aux menaces actuelles et futures dans tous les espaces, dans tous les champs de conflictualité. On peut prendre l'exemple de l'espace, euh, par exemple, euh, avec une très nette accélération de notre ambition dans son domaine sur cette LPM. Je citerai par exemple le programme à effet majeur ARES, qui va viser à dis disposer en 2027 d'un démonstrateur de capacité d'action dans l'espace, et euh, qui, qui euh, comporte plusieurs composantes. J'avais eu l'occasion euh, déjà, lorsqu'on parlait d'innovation, de, de parler du démonstrateur Yoda, euh, qui euh, va devenir un, un démonstrateur de, notamment de nos capacités de sécurisation de nos actifs dans l'espace, en orbite géostationnaire, et puis des euh, sujets liés à la surveillance spatiale, notamment euh, ce qu'on appelle le système Grave NG. Et puis également tout ce qui euh, sera réalisé euh, pour... Pour le système de commandement des opérations spatiales, le C4OS, euh, qui sera rendu possible par ce TLPM pour une mise en service en 2027. Dans un domaine qui est un domaine qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, la défense solaire, Le retour d'expérience du conflit ukrainien a remis les enjeux de la défense solaire sur le devant de la scène. Il est bien pris en compte dans cette LPM avec en 2030 24 plateformes terrestres Mistral. Huit toiles Mistral pour la défense solaire très courte portée navale, le développement de moyens terrestres blindés dédiés à la lutte anti-drone, douzaine de plateformes en 2030, et sur la DSA courte portée terrestre, nous faisons également avec le VLMICA des efforts particuliers, notamment pour répondre aux besoins qui s'imposent à nous dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. J'ai parlé de l'espace, j'ai parlé euh, du conventionnel, il y a également le cyberespace, les champs immatériels, avec un très gros effort financier dans ce domaine, un patch comme on, le, on, on, on les dénomme à 4 milliards d'euros, soit 300% d'augmentation, dans le but d'abord de conserver la souveraineté des équipements de cryptographie pour protéger nos communications régaliennes pour adapter la lutte informatique défensive aux nouvelles menaces et l'étendre au système d'armes et à l'écosystème du ministère, l'écosystème qui comprend la base industrielle et technologique de défense, les différents fournisseurs également, développer l'arsenal de lutte informatique offensive pour pouvoir tenir dans la durée d'une confrontation et puis industrialiser la lutte informatique d'influence pour faire face au foisonnement euh, des manipulations d'information de et notamment des différents champs représentés par les réseaux sociaux. Je n'oublie pas la maîtrise des fonds marins, puisque la LPM prévoit une accélération dans ce domaine, l'acquisition des premières capacités propres du ministère des Armées, notamment le développement d'une filière industrielle souveraine en s'appuyant sur le dispositif France 2030. Et puis la LPM poursuit évidemment les, tra les travaux sur les grands projets structurants, le porte-avions nouvelle génération, le démonstrateur du système de combat aérien du futur, le programme Scorpion, j'imagine que l'on pourra en discuter dans la phase d'échange. Et puis elle vient renforcer plusieurs segments préexistants. Le programme Parade de lutte anti-drone euh, qui sera doté de 15 systèmes en 2030. La lutte anti-drone navale avec 20 systèmes également en 2030. Et euh, une ambition, ce qu'on appelle un patch drone ambitieux à 5 milliards d'euros qui double donc le budget qui était alloué sur la période de 2019-2025 dans le but de développer des capacités de drones sur tout le spectre, notamment les munitions téléopérées. Le système Euromal et évidemment les drones patrouilleurs. Le ministre des Armées, sur proposition de l'état-major et de la DGA, a pris donc des mesures programmatiques qui consistent à des étalements de livraison qui font glisser certaines cibles de 2030 à l'horizon 2035, ce qui permet d'intégrer en particulier tous les objets nouveaux que je viens de citer et puis de gérer les effets, notamment ceux de, de l'inflation. Et il faut bien garder en tête, et j'y reviendrai dans ma conclusion, que la LPM s'appelle 24-30, mais en réalité, elle se, elle se projette bien au-delà dans le temps et que nous engageons aujourd'hui, dans cette loi de programmation militaire, des dépenses de développement qui aboutiront en programme livré une ou deux LPM plus tard. Ces exemples, les exemples dans la matière, c'est typiquement dans le, cadre, dans le domaine de la dissuasion, dans le domaine, par exemple, également des capacités navales. C'est pourquoi la DGA continue de préparer l'avenir. Vous l'avez signalé, 10 millions d'euros pour cette innovation et ça, c'est inédit. 10 milliards d'euros, pardon. J'aurais du mal à justifier. Euh, Constituer donc des 7,5 milliards des études amont et des 2,5 milliards qui sont consacrés à nos opérateurs. Je parle de nos écoles, je parle de l'ONERA euh, en particulier. Et puis euh, aux études opérationnelles et technico-opérationnelles euh, et des études de prospective stratégique. Pourquoi faire Répondre aux menaces nouvelles. On en a parlé. Consolider notre supériorité technologique garantir la maîtrise des nouveaux champs de conflictualité, là aussi, espace fond marin, champ informationnel cyber, et puis avoir également de l'audace, de l'ambition pour gagner en agilité, en rapidité dans le déploiement, de déploiement dans les forces, ainsi que d'explorer les ruptures technologiques très amont, et donc poursuivre dans ce domaine ce qui avait été engagé, ce qui est aujourd'hui conduit par l'Agence de l'innovation de défense. Donc ça passe par des démonstrateurs d'envergure on pourra si vous le souhaitez là aussi euh, vous donner des éclairages sur ce que l'on envisage en termes de euh, technologies de rupture je vais citer les armes à énergie dirigée je vais citer l'hypervélocité ça ne vous surprendra pas les domaines quantiques, hein, l'ordinateur quantique, les capteurs, les communications et la cryptographie, l'intelligence artificielle et les énergies hybrides, et puis des efforts particuliers sur par exemple les munitions téléopérées et euh, la robotique, euh, en particulier la robotique terrestre avec euh, entre 250 et 300 robots euh, qui sont euh, prévus dans ce domaine-là. Et évidemment cette action de l'État doit s'accompagner d'une mobilisation indispensable de la base industrielle et technologique de défense pour nous proposer dès aujourd'hui des projets d'innovation qui seraient des projets autofinancés et qui sont destinés évidemment à nos armées mais également à nos partenaires à l'export. Ce qui me permet de faire la, cette, cette transition, outre les volumes et les différentes feuilles de route évoquées, nous avons deux points clés qui sont nécessaires pour conserver un modèle équilibré. Le premier, c'est l'export. C'est aussi la performance de notre industrie à l'export qui permet des gains économiques et des effets d'échelle indispensables à l'économie globale du modèle. Et donc cette loi de programmation militaire a été également établie en s'appuyant sur ces perspectives. Et puis le soutien et la maintenance des équipements. Le ministre des Armées, comme vous le savez, m'a déjà euh, confié un mandat dans ce domaine pour... Conjointement, évidemment, avec l'état-major des armées et les services de soutien, conduire des négociations sur le MCO, le maintien en conditions opérationnelles, afin de permettre d'en améliorer l'efficience et de contribuer à la maîtrise du coût global des équipements tout en répondant aux besoins d'activité des forces. Donc, cette loi de programmation s'inscrit pleinement dans le contexte du retour d'expérience du conflit ukrainien avec des différents enjeux capacitaires qui se détachent euh, et pour lesquels la LPM va apporter des réponses. Je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé. Mais nous faisons également des efforts conséquents sur les stocks de munitions, 16 milliards d'euros, soit 45% d'augmentation par rapport à la loi de programmation militaire précédente dans le contexte de ce qu'on appelle désormais l'économie de guerre, depuis le discours du président de la République à Eurosattori, pour accélérer la production d'un certain nombre de dispositifs, les obus de 155, des relocalisations, par exemple, dans le domaine des poudres, et puis se doter de nouvelles capacités à l'aune du retour d'expérience qu'on peut avoir sur ce conflit, notamment dans le domaine des munitions téléopérées. L'autre enseignement de cette guerre, c'est la nécessité de transformer notre outil industriel pour répondre aux réalités de cadence et de stock que démontre, hélas, le taux d'attrition que nous observons en Ukraine. Euh, ce sont les différents chantiers que, qui ont été lancés euh, par le ministre des Armées depuis le mois de septembre 2022. Et puis, qui sont appuyés dans cette LPM par des mesures normatives visant à doter l'état d'outils très concrets qui permettront, en cas de crise, de lever certains verrous, notamment dans les cadences de livraison. Il euh, faut bien distinguer que lorsque l'on évalue la capacité de réaction de notre industrie, on doit distinguer la RD et la production. En RD, il y a une certaine forme d'incompressibilité, j'ai bien dit <laughs> un caractère incompressible là où finalement on trouve de vraies opportunités de moduler les cadences, notamment à la hausse sur la phase de production et c'est cette phase de production finalement qui est en priorité visée par les travaux sur l'économie de guerre. Et dans ce domaine, je dois dire que les industriels ont progressé, ont fait beaucoup d'efforts. Souhaite le souligner devant vous. Je donne trois exemples. Le canon César, que, qui n'est plus besoin d'être présenté aujourd'hui, que tout le monde connaît, mais qui est, passé, qui est produit par Nexter, qui a été passé de 4 à 8 unités euh, par mois, et avec un raccourcissement des délais de 30 à 17 mois. Le radar euh, Groundmaster de Thales, de 12 à 24 unités par an. Et puis, par exemple, les missiles Mistral de MBDA, donc euh, 40 unités par un mois, un doublement de la cadence de production, avec des délais raccourcis de 30 à 15 mois. Ce contexte finalement d'économie de guerre, je vous rassure, j'en ai plus pour très longtemps, euh, il nous rappelle qu'on ne fait finalement qu'un avec notre industrie et que, comme l'a dit le ministre, la base industrielle et technologique de défense doit être imbriquée dans notre modèle d'armée. Et donc l'État pourra venir en soutien à ces efforts en créant des mesures d'exception activables opérationnelle en cas de crise, notamment sur l'obligation de constituer des stocks de matières premières ou de composants stratégiques, le cachet en les réquisitions et puis la possibilité d'exiger l'exécution prioritaire de commandes françaises face à des commandes destinées à l'export ou des commandes civiles, ce qui nous permet de finalement nous donner les moyens concrets de ne pas subir en cas de crise et participer ainsi à ancrer l'économie de guerre dans la durée. Donc, en conclusion, c'est avec cette LPM 2024-2030, c'est finalement une DGA en mode haute intensité, si vous me passez l'expression, qui se met en ordre de marche. Pour, nous, pour y parvenir, nous nous transformons nous-mêmes afin de gagner en performance. Euh, cette transformation va viser la simplification, le travail sur la performance de la, de la BITD, l'analyse de la, la valeur. Je crois que ça a été euh, signalé par le chef d'état-major des armées lors de son audition et euh, nous sommes pleinement alignés sur ce point. Et puis différentes initiatives, par exemple euh, le, le traitement rapide de l'instruction du processus d'acquisition depuis l'expression du besoin jusqu'à la livraison par, par exemple, la création par... Déjà, d'une force d'acquisition réactive. Donc nous avons des défis devant nous qui sont extrêmement ambitieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas oublier que ce défi, il existe aussi et surtout dans le domaine des ressources humaines et que nous vivons pleinement la guerre des talents, a déjà étant en concurrence directe finalement avec notamment l'écosystème industriel afin de capter des profils, ce qui nous oblige à ouvrir la, la déjà, à la rendre attractive encore plus qu'elle ne l'est, à travailler sur les parcours des carrières, à travailler, à travailler sur les rémunérations. Et je pense que nous sommes prêts à être au rendez-vous de cette loi de promotion militaire inédite. J'ai deux dernières observations devant vous, pouvoir remercier, si vous me le permettez, les équipes de la DGA qui depuis euh, l'été dernier travaillent sans relâche euh, et de manière extrêmement dense à préparer et à aller dans le, dans le fond du fond euh, des différents dossiers. Je peux vous dire que avec l'état-major des armées, avec le SGA, avec le cabinet des ministres, on est allé vraiment jusqu'au bout de ce, ce processus d'examen euh, de la LPM. Et donc je, je tiens à leur rendre, rendre hommage parce qu'ils sont souvent dans l'ombre. Euh, et puis, insister également devant vous sur le fait que cette euh, loi de programmation militaire, ce n'est pas pour sept ans, c'est même pas pour dix ans, mais qu'elle nous oblige pour assurer la sécurité des générations futures et que finalement, euh, euh, nous la devons euh, à la, pour la sécurité euh, de nos enfants. Tous les choix que nous faisons aujourd'hui nous permettent de lancer des programmes qui sont des programmes pour 2030, 2040, 2050. Et donc, cette loi de programmation militaire, elle, via, elle va bien euh, au-delà de la prochaine décennie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Délégué Général, pour cette présentation complète, et merci aussi pour votre action du, du quotidien et à travers vous, c'est bien entendu l'ensemble des membres de l'ADG que l'on salue, que ce soit des membres actuellement en poste, les anciens et les futurs également. Mes chers collègues, je vous rappelle les conditions de notre audition. Nous aurons deux minutes pour notre rapporteur et pour chaque orateur de groupe avec réponse immédiate, puis des questions complémentaires de une minute, et nous aurons également un temps à huis clos ou si certains veulent poser une. Deuxième question, ce, ce sera possible avec une réponse également à huis clos. La parole est, train, est donc à notre rapporteur pour une durée de deux minutes. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le délégué général pour votre propos liminaire. Euh, je vais d'abord vous poser une première question euh, qui reprend un petit peu le, le contexte actuel avec la guerre en Ukraine, mais toutes les autres conflits euh, récents, euh, je pense au Haut-Karabakh, le Levant, le Sahel, On a, tous ces conflits nous ont permis de de remettre le débat sur l'équilibre optimal pour nos équipements, qui mettent souvent en balance la sophistication technologique, la masse, la capacité de renouvellement des équipements rapidement, leur rusticité, vous évoquiez tout à l'heure le MCO, et puis bien entendu le coût. Or, c'est donc, à, selon moi, à juste titre, que le rapport annexé de la loi de programmation militaire souligne que notre capacité à réagir et à tenir dans la durée imposera. De concevoir les équipements futurs des armées en trouvant un équilibre entre rusticité et hypertechnologie pour concilier la supériorité opérationnelle, délai de production rapide et coût de possession pour l'État. Alors, dans, dans ce contexte, Monsieur le délégué général, pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont la DGA entend entreprendre et promouvoir cette nouvel équilibre Je vous remercie. Monsieur le délégué général. Oui, c'est vrai que c'est un nouvel exercice maintenant. Euh, merci, monsieur le député. Absolument, on va essayer d'être réactif. Alors c'est un, effectivement un, un sujet euh, qui, euh, que nous traitons depuis longtemps, puisque déjà euh, dans le contexte de l'innovation de défense, on a cherché à ne jamais opposer innovation, rusticité, résilience. En fait, on peut être innovant, euh, je pense par exemple à l'innovation d'usage, euh, et être peu coûteux, euh, et être capable de euh, développer rapidement des systèmes. Finalement, on est toujours confronté à la même chose le, le triptyque coût, délai, performance. Et, et ceci nous conduit, pour chaque nouveau programme, pour chaque nouveau système, à réaliser ce qu'on appelle désormais une analyse de la valeur, et notamment une analyse de la valeur du besoin. Nous travaillons beaucoup maintenant avec l'État-major des armées pour se dire eh bien dans quel cas on veut aller plus vite sur des délais, on peut mettre l'accent sur les coûts, on peut mettre l'accent sur la performance. Et effectivement, tout ceci doit être pris en compte, sachant que lorsque l'on fait un choix, évidemment, on prend des risques. Et donc, tout ceci nous amène également à l'acceptation du partage des risques entre l'autorité d'emploi, qui est l'état-major des armées et l'état-major d'armée, et puis euh, l'autorité technique, euh, qui, est, euh, qui est la DGA. Ce type de changement de logiciel, que j'appelle que, que de mes vues parce que, évidemment, ça fait partie euh, des conditions sine qua non pour pouvoir euh, être suffisamment agile et répondre aux besoins opérationnels de le force, nous le systématisons aujourd'hui à tous les nouveaux programmes que nous, euh, que nous faisons. C'est pas si simple quand on fait un sous-marin nucléaire lançant d'engins, mais comme vous l'avez vu, par exemple, lorsque l'on développe des munitions téléopérées, eh bien, on essaye justement de, de se dire qu'est-ce que l'on veut en priorité, parce qu'on veut quelque chose qui soit peu coûteux, très efficace, pas forcément hyper sophistiqué, mais innovant. Et en fait, c'est tout cet équilibre-là qui doit être interrogé à chaque fois que l'on développe un nouveau système. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci, Monsieur le délégué général. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Mounir Belamiti, qui est également rapporteur du programme 146. Merci, M. le Président, Monsieur le délégué général. Merci pour cet exposé clair. Et au nom du groupe Renaissance, j'aimerais exprimer notre soutien à ces objectifs ambitieux et réalistes fixés par cette nouvelle LPM et par la DGA. Ce réalisme dans nos cibles capacitaires est primordial pour respecter à l'euro près cette nouvelle LPM, ce que nous sommes déjà parvenus à faire avec la précédente. Ces volumes d'armement sont également gages d'efficacité, car ils sont ancrés dans les réalités de la guerre moderne ils répondent à la nécessité de faire face aux nouvelles menaces et notamment au retour de la guerre de haute intensité, tout en prenant en compte les réalités du marché et de notre filière euh, industrielle de défense. C'est grâce à notre BITD et à toutes les ETI, les PME et autres start-up innovantes qui composent notre industrie de défense que nous pourrons pleinement relever ces défis capacitaires. Il est donc nécessaire que, nous, que tous ces acteurs soient inclus et renforcés par les grands chantiers euh, qui viennent. Et en ce sens, j'ai posé au ministre des Armées lors de son audition devant notre commission, la question de l'inclusion de l'ensemble de ce tissu industriel compétent et innovant aux grands travaux d'armement prévus par la LPM. La France regorge de start-up et PME innovantes qu'il nous faut accompagner, préparer, développer pour qu'elles mettent en service de, au service de la nation la qualité de leur savoir-faire et participent à l'excellence de notre industrie de défense. Le ministre des Armées a répondu qu'il partage cette volonté de connecter ces PME au grand chantier de la défense et a ajouté, je cite, « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Le rôle du, ministre des Ar... du ministère pardon, des Armées et du DGA que vous êtes est en effet fondamental pour assurer l'inclusion de ces PME comme partie intégrante et essentielle de notre filière industrielle de défense. Je sais que vous partagez également cette volonté, comme l'illustre votre carrière de directeur de plusieurs PME ainsi que votre passé, en tant que directeur de l'AID, l'Agence de l'innovation de défense, j'aimerais donc que vous puissiez nous détailler comment vous envisagez d'inclure davantage les PME et startups innovantes à ces défis industriels ambitieux portée par cette nouvelle loi de programmation militaire. Je vous remercie. Merci. Sachant que, M. le délégué général, je vous précise que nous aurons demain l'audition des industriels à 9 h. Nous avons également choisi d'auditionner le comité Rechelier pour également donner la parole au PME. Je pourrais peut-être me mettre en siège de fond pour surveiller ce qui va se passer. De la même manière que je suis surveillé par mes camarades. Alors. Bien évidemment, vous avez raison le député, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, à la fois comme ancien entrepreneur, mais parce que c'était un des sujets qui a présidé à la création finalement de cette agence de l'innovation de défense. Je le dis souvent, mais nous avons la chance d'avoir une base industrielle et technologique de défense complète complexe ça veut dire effectivement des grands industriels de l'armement mais 4000 PME environ PME ETI, start-up qui sont qui sont derrière et qu'il nous faut soutenir. Alors ces PME elles sont déjà intégrées dans un certain nombre de grands programmes je pense par exemple au programme Scorpion qui met en œuvre plusieurs dizaines de PME mais euh, effectivement, il y, a, il y a un gros travail qui est fait afin de pouvoir faciliter notamment les relations entre les grands groupes et les PME et puis leur inclusion dans les euh, programmes et opérations d'armement. Alors, ce qui est déjà fait et puis ensuite, j'irai à ce que nous souhaitons faire. Ce qui est déjà fait, vous me permettrez de faire un petit bilan de ce que nous avons réalisé avec l'agence et qui est brillamment repris par mon successeur, l'ingénieur général Auffort, que je suis sûr vous aurez l'occasion d'auditionner également dans d'autres domaines. Euh, C'est la mise en place d'un guichet unique, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, pour travailler avec le ministère des Armées, si on ne connaît pas l'organisation du ministère, c'est pas si simple que ça. Et donc, il fallait aller vers les PME, leur proposer des manières simples, et je pense que nous y sommes parvenus aujourd'hui, de pouvoir travailler euh, avec le, le ministère. C'est la mise en place de cellules qui nous permettent de faire le contraire, c'est d'aller détecter. Euh, alors, on appelle ça détection et captation. Et captation, c'est un petit peu péjoratif. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir aller au contact des industries, des start-up, des PME, pas forcément dans le monde de la défense pour pouvoir euh, identifier celles qui pourraient euh, susciter un intérêt afin soit de l'inclure dans les programmes et opérations d'armement euh, en cours de réalisation, soit d'avoir des actions plus diverses. Et vous, vous souvenez que nous avons deux fonds d'investissement qui nous permettent de euh, d'injecter plusieurs dizaines de millions d'euros, le cas échéant, lors de levées de fonds de PME ou de start-up que l'on considère soit comme critiques, soit comme particulièrement innovantes et, euh, et duales. Donc effectivement tout ceci c'est quelque chose que nous travaillons avec les industriels pour nous assurer de leur bienveillance. Nos priorités c'est quoi C'est de finalement permettre à nos PME de bénéficier de la même visibilité que celle que nous offrons à nos gros industriels. Et ça évidemment ça n'est pas ça n'est pas évident puisque la visibilité doit profiter aux chaînes de sous-traitance, mais ces chaînes de sous-traitance sont parfois un peu méconnues. Euh, dès lors qu'on s'éloigne du rang 1, 2 et 3, là on commence effectivement à devoir, euh, devoir creuser plus, plus loin. Donc nous allons effectivement, euh, beaucoup à prendre des chantiers que nous avons lancés dans le domaine de l'économie de guerre pour euh, permettre de, euh, à ces PME d'avoir cette même visibilité, dans les deux sens d'ailleurs, euh, permettre à nos industriels d'avoir la visibilité sur les dépendances dans les chaînes de sous-traitance. Et puis le, le projet de transformation de la DGA euh, que nous portons vise également à nous améliorer dans ce domaine-là, avec la création d'une direction de l'industrie de, de défense qui conservera le plan Action PME, mais qui aura également un lien, euh, pardon, un, une action forte dans le domaine de euh, la sécurisation économique des acteurs de la BITD, parce qu'on parle de, de, des PME, mais il y a aussi les risques euh, qui sont, euh, qui sont euh, pris par, par ces euh, entreprises, avec notamment euh, les difficultés dans le domaine du cyber, la difficulté de résilience de cette, cet écosystème. Une action approfondie sur la performance euh, industriel, euh, là aussi, sur la résilience des PME et puis sur euh, la veille concurrentielle et l'intelligence euh, économique qui font partie des outils modernes aujourd'hui. Donc euh, je pense que via euh, ces différents outils que nous, nous mettons en place, via les outils qui ont été mis en place et qui poursuivront au sein de, de l'Agence Innovation de défense, nous euh, ferons en sorte de pouvoir faire bénéficier euh, de plus en plus ces PME de la visibilité apportée par la LPM. Je profite pour vous annoncer que cette année est une année où il y aura un forum Innovation Défense qui, comme vous le savez, est un endroit privilégié. On peut mettre les donneurs d'ordre, les grands industriels, les start-up, les PME, les laboratoires, les forces et la DGA. Et donc, je n'ai pas la date exacte, mais ce sera à l'automne et nous vous y recevrons évidemment avec grand plaisir. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Laurent Jacobelli. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Délégué Général. Tout d'abord merci pour les propos liminaires précis que vous avez tenus. On entend beaucoup à l'occasion de cette LPM parler de souveraineté nationale. Vous imaginez avec quel plaisir le groupe Rassemblement National entend ces mots, mais nous souhaitons qu'il ne soit pas là simplement une simple incantation, mais ça doit devenir une réalité. L'autonomie de notre pays pour l'équipement de nos forces, la souveraineté dans un contexte de tension internationale élevée devient de plus en plus importante plus important, euh, car nous paierons au prix fort toutes nos dépendances extérieures. Dépendance envers des puissances extra-européennes telles que les États-Unis d'Amérique, qui, s'ils restent bien sûr nos alliés, ne partagent pas toujours nos intérêts, je ne reprendrai pas l'exemple des, des sous-marins et, et de l'Australie, et utilisent leur industrie de défense comme une extension de leur diplomatie. Mais il y a aussi une autre dépendance envers d'autres États qui, eux, sont européens. Si des coopérations intelligentes avec d'autres pays peuvent être bienvenues, nous ne devons pas poursuivre des coopérations fondées exclusivement sur l'idéologie, telles que le SCAF ou le MGCS, qui, nous le voyons bien, ne fonctionnent pas. L'un patine, l'autre va clairement dans le mur. Lors de son audition du 5 avril, le ministre des Armées ne rejetait pas les préoccupations de notre groupe sur le système de chars du futur MGCS. Il affirmait même être inquiet face au retard de ce programme. C'est un début, mais que faire pour y répondre nous, vous le savez, nous proposons la mise en place de jalons décisionnels sur ces coopérations européennes qui seraient des points d'étape qui nous permettraient, euh, si vraiment euh, la coopération ne marche pas ou qu'elle est faite au forceps, d'en sortir pour protéger nos intérêts. Monsieur le délégué général, j'aurais besoin, nous serions curieux d'avoir votre avis pour nous donner votre vision quant au risque. Euh, afférents à ce type de, de pratique et quels sont les réels dangers des deux sur les deux programmes que je viens euh, d'évoquer et plus généralement que pouvons-nous faire pour privilégier systématiquement d'abord et en priorité le développement de solutions nationales plutôt que des programmes parfois euh, qui rassemblent des nations aux intérêts contradictoires. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Délégué Général. Merci, Monsieur le Député. Alors, j'ai dans mes propos liminaires, j'ai parlé notamment de la viabilité de notre modèle. Euh, notre modèle passe également par la coopération et par l'exportation. Mais selon une approche pragmatique. Alors, je vais, je vais, je vais répondre, mais vous savez qu'on a euh, la, la revue nationale stratégique, notamment euh, présenté les trois cercles euh, de dépendance. Vous avez le premier cercle dans lequel on refuse toute dépendance, euh, et sont en particulier dans le domaine de la dissuasion, mais également dans le domaine de la cyber, où là, on a une, un désir de souveraineté nationale absolue. Il y a un deuxième cercle dans lequel on considère qu'on peut également coopérer, développer une souveraineté qui soit une souveraineté nationale compatible avec une souveraineté européenne, là aussi sans naïveté, mais je vais vous parler des deux projets sur lesquels vous m'interrogez et je vais évidemment vous répondre. Et puis il y a aussi pour d'autres sujets le fait de considérer que finalement, comme la viabilité de notre business model ne serait pas assurée ou qu'il n'y a pas de risque de rupture d'approvisionnement de, ou d'activité, on peut se faire on peut, je veux dire, accepter le fait de faire appel au marché. Donc cette analyse, finalement, elle est assez systématique. Même si nous souhaitons œuvrer dans une logique de souveraineté, on se pose systématiquement systématiquement euh, ces questions-là et vous verrez dans la, la vision stratégique que euh, je viens de publier que nous militons pour une approche effectivement pragmatique de la coopération et des exportations. Sur les deux sujets que sont euh, des sujets sur lesquels on a déjà euh, beaucoup parlé dans cette en enceinte, à savoir MGCS et je ne partage pas votre analyse évidemment sur le fait que ça va dans le mur ou ça patine. Je pense que ça n'est pas facile. Le SCAF, comme vous le savez, nous avons notifié euh, les, euh, la phase 1B et, et qui va, devrait nous, nous amener jusqu'au démonstrateur euh, pendant la phase 2. Les industriels ont fait ce qu'on appelle une phase de ramp-up. Pendant les trois derniers mois, euh, qui a consisté à euh, partager un certain nombre d'informations, mettre en place un système d'informations également, euh, puisque vous avez différentes localisations, différents acteurs et qu'il a fallu euh, euh, travailler tout cela. Mais depuis euh, le mois de mars dernier, eh bien, les travaux industriels ont commencé. Et comme je le dis à chaque fois, le... il n'y a rien à perdre aujourd'hui à lancer ce programme. Il y a. Non seulement aucun danger, mais un grand intérêt à le faire dans la mesure où toutes les briques technologiques qui vont être développées seront nécessaires pour le maintien de nos auditions en, en termes de, de feuilles de route de l'aviation de chasse. Vous parliez de jalons, il y a bien des jalons, des jalons qui sont positionnés, qui nous permettront de toute manière de décider de manière, là aussi, complètement pragmatique, de telle manière à ce que l'on puisse maintenir, notamment, euh, les, euh, la, la feuille de route nécessaire à notre dissuasion dans sa composante aéroportée. Euh, donc le SCAF a commencé, il est nécessaire pour développer l'avion du futur. Euh, il sera nécessaire de toute manière d'avoir un successeur au Rafale et il sera nécessaire de conserver notre composante aéroportée compatible avec le nouveau missile ASN 4G et donc ces jalons sont là pour le garantir. Sur le MGCS, d'abord, euh, d'ailleurs, je, je signale que sur ces deux sujets, j'ai échangé ce matin même avec l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Donc nous avons des canaux de communication qui sont véritablement ouverts en permanence. Je rappellerai que ce n'est pas parce qu'on dit que c'est compliqué ou qu'on est inquiet que ça va dans le mur. Nous avons une volonté, de toute manière, d'avoir euh, un avenir à notre feuille de route de chars de combat. C'est suivi au plus haut niveau de l'État. Et donc là aussi, il y a des, des jalons qui sont positionnés, qui nous permettront, le cas échéant, de développer des solutions alternatives si jamais on se rend compte que effectivement euh, les, euh, le projet MGCS euh, ne se réalise pas euh, comme prévu. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude sur ce point-là. Il y a huit. Ce qu'on des MTD, donc il y a huit Warp Package qui, sont, qui de, devront être lancés. Ils ont fait euh, l'objet d'une discussion bilatérale avec euh, les deux ministres des armées euh, français et allemands la semaine dernière. Et donc nous sommes en train d'essayer d'accélérer. Nous sommes très conscients des différents jalons et des différents points de passage obligés afin de pouvoir conserver notre euh, capacité opérationnelle en matière de chars de combat. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci Monsieur le Président. Merci, Monsieur le délégué général, pour vos propos euh, toujours aussi euh, stimulants. Euh, cinq questions, donc je vais essayer d'aller vite. Euh, le ministre a parlé euh, d'annualité de cette LPM comme de euh, plancher, et non pas de plafond. J'ai suggéré du coup qu'on réfléchisse désormais en termes de fourchette. Est-ce que ces fourchettes précisément ne posent pas un problème de visibilité dans le domaine industriel pour lancer des programmes? Euh, parce que si on pense à minima, évidemment, on est moins audacieux. C'est la première question. La deuxième question porte sur la protection des entreprises de souveraineté, et je pense en particulier à la question de Datos et notamment des calculateurs de haute performance qui sont aujourd'hui logés dans Evidian. J'aimerais savoir ce que la LPM prévoit comme moyen donné à la DGA en particulier pour assurer la protection de ses actifs de souveraineté. Et euh, j'aimerais donc vous entendre un peu plus sur la stratégie que l'État va suivre pour protéger Évidian. Euh, euh, le, le troisième point porte sur la maîtrise des fonds marins. Vous avez parlé de la volonté de développer une capacité industrielle souveraine. Ce n'est pas écrit dans ces termes euh, dans la loi de programmation militaire. Est-ce que vous pouvez euh, euh, me donner l'assurance qu'on arrivera à cette formulation en Cas échéant, on proposera des amendements en, en séance. Et puis, euh, une autre une question portant sur... Euh, le, le cyber, vous évoquez les quatre aspects, la crypto, la lutte, information, le, la lutte informatique défensive, offensive, et vous avez la formule l'industrialisation de la lutte informatique d'influence. Euh, la question elle, se porte plus sur la doctrine et le cadre légal dans lequel on peut industrialiser une lutte informatique d'influence. Je vous avoue que je ne suis pas entièrement à l'aise avec euh, cette notion-là. Et euh, une, dernière, donc, une dernière question porte sur la façon dont la programmation euh, va venir se... S'ajuster avec le programme France 2030. Dans quelle mesure on a réussi euh, Vos services ont réussi à implémenter un programme qui rentre dans le cadre de France 2030 et optimise tout ça. Monsieur le délégué général, vous avez beaucoup stimulé notre collègue. Vous avez cinq questions. Oui, mais, mais, mais je vous connais, monsieur le député. Alors, je suis très très déçu parce qu'il n'y a pas eu de question sur le quantique, cette fois-ci. Et que j'adore parler. Euh... La mmh. la ça, hein. Absolument. Euh, alors sur. Euh... <laughs> Sur le euh, sujet Atos, vous me permettrez de vous répondre dans la partie euh, à huis clos, euh, pour des raisons évidentes, euh, de euh, nos échanges. Sur euh, l'annualité euh, de euh, la NPM, d'abord avoir un plancher, c'est euh, avoir l'assurance de faire au moins la NPM et avoir l'aptitude également, puisqu'on parle de, de, de fourchette, à faire face à l'imprévu. Et au contraire, je pense que c'est extrêmement ambitieux. Et puis, euh, avoir euh, euh, cette visibilité que nous donnons, et on pourra reparler de la visibilité qu'on donne aux différents industriels de, euh, de, 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 de la BITD. Euh, moi, j'ai été entrepreneur euh, euh, j'aurais rêvé d'avoir un business plan à 7 ans. Euh, même s'il n'est pas euh, sanctuarisé dans, dans ses écoulements et que l'on parle donc de plancher et de pas de plafond, euh, finalement on donne beaucoup euh, de visibilité aux différents industriels dans le cadre, euh, dans le cadre de cette LPN. Sur la maîtrise des fonds marins, je, ça va rejoindre d'ailleurs de, votre dernière question. Euh, France 2030, il y a euh, de tête à peu près 108 millions d'euros qui sont prévus pour développer une capacité euh, souveraine, militaire dans le domaine de la maîtrise des fonds marins et vous savez qu'on a quelques objets qui sont extrêmement, euh, ambitieux dans ce domaine et notamment l'ambition de pouvoir opérer au-delà de euh, 6000 mètres. Nous construisons ce projet avec France 2030 et ces 108 millions d'euros seront consacrés. Et donc oui, je vous donne mon intime conviction que nous allons y parvenir à la militarisation des objets qui seront développés dans le cadre de cette filière souveraine. Et puis, dans le cadre du cyber, alors effectivement, euh, se parler de d'industrialisation de la lutte d'influence. Euh, D'abord, c'est dangereux parce qu'on a l'impression que euh, nous allons euh, développer des capacités d'influence euh, terribles. En, en réalité, ce qui se cache derrière, c'est en particulier le fait de nous prémunir contre un certain nombre de manipulations, je pense aux deepfakes, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les deepfakes, ce sont les euh, moyens euh, employés en euh, l'intelligence artificielle pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle des fake news, et donc euh, il faut pouvoir les détecter, il faut, faut, faut savoir euh, s'en prémunir, il ne vous, euh, vous aura pas échappé qu'un système comme ChatGPT permet aujourd'hui de développer un certain nombre de capacités assez impressionnantes et assez inquiétantes tout ça c'est de l'influence. Et donc nous travaillons bien évidemment, et notamment au sein de DGA Maîtrise de l'Information, qui se trouve à Bru près de Rennes, à développer euh, des capacités permettant de nous prémunir contre ces euh, manipulations de l'influence. Voilà ce qui se cachait derrière cette industrialisation de la lutte d'influence, mais c'est plutôt l'industrialisation des moyens qui nous permettent de lutter contre elle et de nous en prémunir. Merci monsieur le délégué général pour le groupe Les Républicains la parole est à Jean-Louis Thierry. Merci monsieur le président, merci monsieur le délégué général. Deux petites questions techniques et deux questions plus générales. Euh, question technique. Vous avez évoqué euh, dans vos propos la défense solaire et notamment euh, les batteries euh, Mistral qui étaient prévues sur Jaguar. Euh, dans le cadre de la mission sur la défense solaire que nous avons menée avec ma collègue Natalia Pouziref, euh, nous avions à la suite des auditions considéré qu'il y avait une vraie nécessité d'avoir une artillerie solaire à base d'artillerie, c'est-à-dire de canons, pour traiter les attaques saturantes ou les attaques peu coûteuses. Parce que tirer un missile à euh, 350 000 euros euh, pour euh, abattre un drone à 3 000 euros, ça interroge. Donc je voudrais savoir. Quelle est la réflexion que vous avez aujourd'hui sur ce sujet artillerie Deuxième question technique. Il y a eu il y a quelques années le développement du drone aérien Neurone qui était un drone aérien de combat. J'aurais souhaité savoir s'il y a des réflexions sur ce sujet des, des drones aériens de combat niveau DGA ou si c'est intégré dans le, progrès, dans le projet SCAF. Deux questions plus générales. Il y a une ambition globale de simplification. De la commande de la DGA, ces simplifications sur la commande, ces simplifications dans les spécifications. Donc j'aurais voulu que vous nous en disiez un peu plus sur les projets de la DGA sur ce sujet. Enfin, dernière question les retours de terrain que nous pouvons avoir quand nous sommes dans les unités, niveau lieutenant, capitaine, c'est que souvent ils ont le sentiment que euh, les évolutions incrémentales ne prennent pas. Vraiment en compte les besoins de la base ou les besoins du design. Je prends l'exemple euh, du rétrofit du Leclerc. Certains disent on ne tient pas en, on ne prend pas en compte euh, le le confort et le design au sein des tourelles. Donc qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, dans l'organisation de la DGA Ce qui est prévu pour que euh, l'utilisateur final soit consulté dans les projets. Merci Monsieur le délégué général. Et comme vous venez de l'innovation et de l'entreprise je ne doute pas que le rôle du client final euh, vous soit au cœur de vos préoccupations. merci, monsieur le député. alors, euh, nous avons un euh, un PEM euh, qui est euh, effectivement défense solaire, euh, basse couche, sur lequel euh, nous euh, procédons exactement à ce que j'ai euh, décrit tout à l'heure. Je parlais d'analyse de la valeur et de l'analyse de la valeur du besoin. Euh, le, le, le fait de savoir si euh, il est plus efficace d'avoir, euh, d'utiliser un canon, d'utiliser des armées à énergie dirigées, d'utiliser un missile fait partie de cette analyse de la valeur et donc on doit finalement euh, avoir cette et nous sommes en train d'y procéder, cette analyse assez fine entre euh, le calibre, le coût, la mobilité et l'efficacité. Et c'est exactement un, un domaine qui illustre parfaitement notre volonté de, de pouvoir euh, avoir ce nouveau prisme de réflexion à chaque fois que nous euh, lançons de nouveaux systèmes. Sur la partie du drone neuron, alors d'abord euh, tout ce qui a été fait dans le cadre de euh, ce drone en termes de coopération, en termes de furtivité, en termes de manœuvrabilité est de toute manière intégré dans notre feuille de route pour le futur de, de l'aviation de chasse. Est-ce qu'il y a des réflexions sur la dronisation euh, d'avions de combat ou, ou ou d'aliers dronisés. Oui, évidemment, dans le cadre du SCAF, vous savez que le SCAF, c'est un avion de nouvelle génération avec un cloud de combat et qui comprend deux ailiers dronisés. Ça nécessite donc de travailler sur ses capacités de robotisation d'un avion, d'un avion sans pilote, d'interaction avec un avion également piloté, d'interaction avec le pilote lui même pour pouvoir le décharger d'un certain nombre de tâches. Donc oui, ça en fait partie. Il y a également d'autres travaux dont je ne peux pas parler dans cette enceinte, ni en huis clos d'ailleurs, puisqu'ils sont évidemment classifiés. Sur les, la simplification et les retours terrain, là, on se tourne plutôt vers euh, quelque chose qui est euh, de, euh, du, du domaine de euh, la transformation euh, de, euh, de la DGA. Euh, C'est bien, mais je n'arrive pas à lire. Euh, donc, pour l'instant, je vais répondre sans lire. <laughs> voilà. Euh, sur, sur la simplification. Alors. Euh, sur cette simplification, effectivement, c'est quelque chose dont on a, dont on a beaucoup parlé euh, dans le domaine des chantiers euh, économie de guerre et qui peut reposer sur différents modes de, euh, de euh, mode opératoires. Le premier, c'est effectivement un certain nombre d'acquis de ces dernières années. Vous savez qu'il y a eu une nouvelle instruction, notamment sur la simplification et la modification de la conduite des opérations d'armement, qui s'appelle la, la 16-18. Qu'est-ce qu'on en retire On en retire par exemple la capacité de faire un travail en plateau, euh, ce qui d'ailleurs contribue à répondre à votre dernière question mais j'y je, je, reviendrai de, de, de tout à l'heure. travailler en plateau entre la dga l'état-major euh, les industriels euh, notamment euh, c'est le cas euh, lorsque l'on fait ce qu'on appelle aujourd'hui le document unique de besoin qui remplace trois documents qui étaient auparavant, euh, auparavant requis. Euh, C'est l'approche incrémentale, autrement dit, avoir une première capacité le plus tôt possible, plutôt qu'en avoir quelque chose de parfait, mais beaucoup plus tard. Euh, donc là aussi, ça fait partie de cette, euh, cette analyse de, de la valeur. Et puis, on travaille beaucoup avec l'industrie, et ensuite, j'en en reviendrai sur euh, l'apport des chantiers économie de guerre, nous donnant quelques exemples, sur l'optimisation des essais. Euh, puisque nous avons des capacités d'essai, les industriels ont également euh, des capacités d'essai et les forces ont un certain nombre de, euh, de, de terrains qui nous permet euh, qui nous permettront d'éviter des travaux qui soient euh, séquentiels et ou redondants. Donc là aussi, ça fait partie euh, effectivement de, de cette, euh, cette nouvelle instruction des opérations d'armement. Après quelques années, euh, le bilan finalement montre des gains qui sont euh, assez, euh, assez visibles, mais on doit euh, continuer cette boucle euh, et euh, ça fait partie de cette communauté de destin dont je parlais avec les forces. Sur l'apport des chantiers à économie de guerre, on a véritablement réfléchi sur la simplification que l'on pouvait apporter euh, afin de répondre aux impératifs de cette économie de guerre. Donc j'ai parlé de l'analyse fonctionnelle, l'analyse de la valeur, je n'y reviens pas. Euh, mais c'est quelque part le fait de faire la chasse à la surspécification. Euh, c'est aussi peut-être travailler de manière un peu différente. Je, je parle souvent de Colibri et de Larinae qui sont les deux projets, les appels à propositions que nous avons lancés et sur lesquels ben, finalement on n'a pas demandé aux industriels un système, on leur a demandé de répondre aux effets que l'on souhaitait produire. Sachant que, je vous donne l'exemple de ces munitions téléopérées, on souhaitait par exemple dans Colibri avoir un système capable de neutraliser une menace blindée à 5 km de manière, de manière efficace, de manière rapide puisqu'on va avoir le système très vite avec une certaine autonomie sur zone et avoir un système qui soit économique et facile pour se former. Et bien ça c'était l'intégralité du cahier des charges qu'on a transmis aux industriels, ce qui les a d'ailleurs beaucoup surpris. Et d'ailleurs, bizarrement, c'était les plus petits, les PME, qui ont été le plus surpris de ce, ce mode ce d'action. Mode Gagner donc, euh, donc répondre au juste besoin, gagner en réactivité. J'ai parlé de cette force d'acquisition réactive que nous mettons en place dès aujourd'hui pour nous permettre de répondre aux juste besoins des forces euh, depuis l'expression de besoins jusqu'à la phase de livraison et qui et, et avec un délai qui doit être au maximum de trois ans pour les systèmes les plus complexes et si possible pour les systèmes en, en étagère de l'ordre de quelques semaines euh, voire quelques mois. Simplifier les normes également. On parle beaucoup de normes, je prends l'exemple de la navigabilité des drones, mais c'est quelque chose sur lequel on progresse puisqu'il y a un décret euh, qui euh, vise aujourd'hui à euh, avoir une approche très pragmatique et très euh, dépendante de la nature du drone pour permettre de faciliter les essais et la navigabilité euh, des drones militaires, et puis euh, également faire évoluer nos modes. De management, si j'ose dire, on me, on m'oppose souvent le, la documentation. Je, vous pourrez en parler avec nos, nos, industriels demain. où certains disent, mais l'ADGA nous demande énormément de documentation. Est-ce que 25 000 pages de documentation, c'est pas trop Est-ce qu'on pourrait simplifier ça Ma réponse, est, bien sûr on le peut, mais euh, moins on a confiance, plus on demande de choses. Donc finalement, si on demande de la de documentation, c'est parce qu'on n'a pas la vision qui nous permettrait d'avoir confiance. Dans euh, les capacités de l'industriel à répondre aux besoins. Autrement dit, c'est un dialogue aujourd'hui avec l'industrie. Moins de, de, de documentation égale plus de transparence dans les procédures internes que nous euh, demandons à nos, nos industriels. Et euh, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est dans mon intérêt en tant que euh, directeur de la DGA de, de, de demander moins de documentation parce que plus de doc documentation, plus vous avez besoin de gens pour la lire. Et comme nous sommes des gens assez consciencieux à la DGA, je peux vous assurer que les 25 000 pages, pages pardon, elles sont lues. Donc c'est notre intérêt à tous et donc nous avançons en dialogue avec les industriels dans euh, la liste d'une première, euh, première identification d'opérations d'armement et un chantier simplification qui est suivi à mon niveau et sur lequel j'ai demandé des, des indicateurs mensuels euh, pour progresser sur ce domaine-là. Et puis, euh, dans le domaine de... Euh, je sais pas ce que c'est ça. D'accord. On, on, on va faire comme on peut. Euh, dans le domaine de euh, la prise en compte du besoin et du retour-terrain, je pense que c'est essentiel. Et donc, moi, je souhaite une plus grande perméabilité des ingénieurs et euh, des techniciens de la DGA au sein des forces. Vous avez vu qu'il y a un exercice majeur qui se conclut jeudi prochain, je pense que vous euh, y aviez été associés. Et euh, nous avons plus de 20 collaborateurs qui étaient insérés dans cet exercice justement pour être au plus près des terrains. Et notre volonté est bien évidemment de euh, faciliter l'accession, l'interopérabilité, la discussion entre nos ingénieurs ceux qui conçoivent les systèmes et ceux qui les utilisent tous les jours. Donc c'est exactement le sens des parcours que nous essayons de mettre en place afin que ces retours terrain soient systématiquement intégrés dans la conduite de nos opérations d'armement. Donc vous voyez que tout ceci va finalement dans le même sens. Oui, bien sûr, nous sommes intégrés à Orion, nous aurons des collègues sur place jeudi et je crois que nous aurons une audition dédiée à ce sujet-là mercredi 17 mai. Pour le groupe démocrate, la parole est à Delphine Lingemann. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général. Au nom du groupe démocrate, modem et indépendant, je vous remercie pour vos propos liminaires. Une nouvelle fois très éclairant sur les enjeux de l'équipement de nos forces armées et de l'adaptation de notre BITD au passage à l'économie de guerre. On regarde l'instabilité internationale, la transformation de notre BITD pour lui permettre de produire plus et plus rapidement est aujourd'hui indispensable, pourtant. Le contexte international, mais aussi national, crée des tensions dans ce secteur à plusieurs égards. Il y a quelques jours, j'ai réuni en conseil économique de circonscription, composé des industriels de la défense de mon territoire, Constellium, Aubert et Duval, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Interforge, euh, Domaero, Rexia et Histoire Aviation. Tous m'ont fait remonter une série de difficultés auxquelles sont confrontés les fournisseurs de rang, a, de rang 1, pardon, qui sont essentiels à la chaîne de valeur de notre BITD, mais aussi. Plus vulnérables que les donneurs d'ordre. Parmi les goulets d'étranglement évoqués et que vous avez déjà identifiés certainement, figurent les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, les difficultés à monter des dossiers de financement et à être éligibles à certains, notamment ceux prévus par le plan France 2030, les problèmes d'accès aux matières premières, une trésorerie fragile et des espaces de stockage parfois insuffisants pour se constituer des stocks stratégiques, les délais d'opérabilité des équipements très longs. Après leur achat, en raison des délais de livraison, mais aussi de qualification des machines. Les différents euh, industriels associés à mon conseil économique de circonscription ont également fait part de leurs inquiétudes sur le volet des réquisitions figurant dans la future LPM, notamment sur les modalités de compensation et la gestion de leurs commandes civiles. Vous le savez, les fournisseurs rencontrent des problématiques complexes différentes de celles des donneurs d'ordre. À ce titre, que prévoyez-vous concrètement pour accompagner les sous-traitants de notre BITD dans le passage à l'économie guerre Quels dispositifs d'accompagnement spécifiques comptez-vous mettre en place Et par ailleurs, comment comptez-vous les accompagner dans la mise en œuvre de filières de recyclage onéreuses mais vertueuses à différents niveaux, sécurisation des approvisionnements, économie RSE Enfin, il est prévu la relocalisation de sous-traitants de rang 2 devenus stratégiques. Pouvez-vous s'il vous plaît nous en dire plus sur ces projets Je vous en remercie. Monsieur le Délégué Général. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement, dans votre, dans, dans votre question. Euh, sur les goulets d'étranglement, nous avons euh, entrepris un, un travail d'identification, puisque vous avez raison, c'est dans la supply chain et souvent après les, les, euh, les rangs 2 que l'on va trouver euh, ces goulets d'étranglement qui sont pas forcément d'ailleurs des entreprises qui seraient en difficulté, mais des entreprises qui soit n'auraient pas la visibilité, ne pourraient pas anticiper, soit n'auraient pas la matière première, soit n'auraient pas, et vous l'avez souligné, euh, les, la main d'œuvre nécessaire. Et d'ailleurs dans ce domaine de la main d'œuvre. Euh, on pourra en reparler, mais ce n'est pas uniquement des ingénieurs en cyber dont nous avons besoin, ce sont aussi des soudeurs, ce sont des, des fondeurs, en fait c'est tout un ensemble de compétences qu'il faut maintenir dans, nos, dans notre écosystème. Euh, nous avons euh, à peu près identifié 185, si ma mémoire est bonne, euh, société euh, qui euh, présente de telles difficultés aujourd'hui, nous avons commencé à régler ces difficultés euh, au cas par cas. Il hein. n'y a pas une, une recette miracle, et une trentaine euh, d'entre elles a déjà euh, pu être, être traitées. Euh, sur les problématiques de financement euh, qui sont je le sais cher euh, au député euh, Thierryot, il euh, y a également un certain nombre d'actions qui sont entreprises et notamment le fait d'avoir établi un réseau de référents euh, bancaires puisqu'on se rend compte que finalement ces difficultés de financement elles sont pas tellement dues à des, des euh, euh, comment dire des, des, une politique qui serait au plus haut niveau des banques mais souvent à une interpr interprétation très locale finalement de la prise de risque. Et de euh, la euh, manière de pouvoir aider ces euh, sociétés avec une petite méconnaissance du secteur de la défense. C'est donc, ce, donc pour cela qu'a été créé ce réseau de, de référents bancaires dans lequel, euh, effectivement, on, on, on place un certain nombre d'espoirs. De, de, sur euh, la sujet de, le, 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 le sujet France 2030 vous avez vu qu'on est euh, bien intégré avec eux et d'ailleurs vous avez un ingénieur de l'armement qui est présent dans l'équipe d'investissement de France 2030 qui est, est l'ancien responsable de l'innovation ouverte à l'agence de l'innovation de défense. Et qui, et qui nous permet, alors ce n'est pas uniquement de l'innovation, mais c'est effectivement dans un certain nombre de filières, on parlait du spatial, on parlait du quantique, dans lequel, j'ai réussi à placer le quantique, vous remarquez, euh, le quantique dans lequel euh, nous euh, allons très concrètement conduire les projets pour le compte de, de, de France 2030, euh, et, et nous serons évidemment très vigilants euh, pour euh, permettre d'accompagner les, les sociétés. Dans le cadre de, euh, de l'accompagnement et des filières, cette création d'une direction de, de l'industrie, vous voyez comme quoi, la direction de l'industrie de défense, elle vise juste, justement à euh, proposer ce type d'accompagnement. Et donc je ne l'ai pas décrite parce que ce n'était pas, le, ce pas le, le, le moment, mais vous allez avoir trois sous-directions, une qui s'intéresse à la sécurité économique des acteurs, une qui s'intéresse à la performance de la BITD, euh, des coûts, de l'efficience, de l'équipement, de la qualité, et puis une qui va s'intéresser justement aux orientations stratégiques et notamment des filières, filières actuelles et filières en devenir. Et j'ajoute d'ailleurs une préoccupation qui, est une, qui a été une préoccupation majeure, qui est celle de pouvoir accompagner aussi des entreprises qui euh, sont souvent des entreprises euh, euh, familiales, euh, fondées par euh, un fondateur qui n'a pas de solution de reprise. Euh, de, ces, euh, de, de ces actifs parce que euh, ces enfants ne le souhaitent pas ou autre, euh, et qu'il va falloir arriver à accompagner le plus tôt possible finalement pour éviter de se, de se euh, retrouver dans le... Dans, dans, dans cette situation-là, donc on a toute cette réflexion effectivement euh, sur euh, sur les filières et puis sur les, les stocks. Vous l'avez euh, vous l'avez vu euh, notamment euh, dans les dispositions normatives de euh, l'ALPM, nous avons euh, nous avons un article qui nous permet effectivement de demander à l'industrie. De euh, réaliser un certain nombre de stocks. Vous avez vu là aussi que les initiatives sont déjà parties. Je salue par exemple l'initiative du GIFAS euh, qui est donc le groupe des industriels euh, dans le domaine de l'aéronautique, et qui euh, a pris l'initiative de constituer un stock stratégique mutualisé pour le, le cas du titane, qui est évidemment quelque chose qui euh, nous préoccupe compte tenu de l'origine de euh, ce matériau-là. Euh, il en est de même pour les produits semi-finis il en est de même pour certaines autres matières premières. Et nous avons euh, un, un programme de relocalisation de certaines filières. Le ministre en avait parlé, notamment par exemple sur euh, la poudre noire, la poudre propulsive, avec euh, la montée en puissance de euh, l'usine euh, Eurenco à euh, Bergerac. Euh, sur les réquisitions, euh, il faut bien garder à l'esprit que euh, c'est un régime qui est un régime uniquement d'exception. Encore une fois, nous ne sommes pas euh, en guerre. Et donc, euh, le but, c'est de préserver, puisque c'est notre intérêt mutuel, l'intérêt de l'entreprise de, de euh, dans les meilleures conditions possibles. Euh, et donc, justement, cette direction d'industrie de défense y veillera, euh, de telle manière à ne pas avoir euh, d'accident industriel qui serait lié à ce, de, à ce type de processus. Merci. Et donc, on notera au passage une innovation démocratique de notre collègue avec un conseil économique de circonscription, si j'ai bien compris. Pour le groupe socialiste, la parole est à Isabelle Santiago. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général. Bon en fait ça se complique un peu parce que euh, dans cette nouvelle méthode que nous venons de, de mettre en place avec questions et, et réponses et en plus les réponses de Monsieur le Délégué Général toujours extrêmement précises. En fait vous avez abordé tous les sujets que je voulais poser. Donc la simplification, le stock, les banques, les réquisitions des stocks. Voilà donc. Donc du coup, là vraiment, j'avoue que ça devient euh, complexe. Donc je vais... Euh... Voilà, je peux parler du plan famille. Mais euh, voilà, en tout cas, sur, sur tous les sujets que je voulais aborder, particulièrement celui euh, des banques, puisque du coup, y compris sur les alliances atlantiques auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, comme sur les, la question européenne. Pour soutenir la BITD, euh, il y a euh, des circulaires qui ont été faites pour qu'on puisse euh, soulever la question des banques, qui était une problématique, puisque euh, l'image de la défense au niveau des banques, même européennes, reste une complexité euh, majeure. Donc, peut-être une petite précision, même si vous avez quand même pas mal répondu. Mais je voulais aborder ce point-là avec vous euh, à travers ce, ce sujet pour avoir des précisions sur euh, l'influence. Qui est faite actuellement puisque ça concerne l'ensemble de notre BITD de manière souveraine. Mais bien évidemment, on voit que c'est une dimension qui se joue à l'échelle européenne et internationale. Et donc du coup, c'était intéressant aussi d'avoir votre regard. Donc une petite précision. Et puis sinon, je vous remercie évidemment de tous les propos que vous avez dit, qui ont permis de répondre aussi à mes autres interrogations. Mais je ne veux pas vous redire deux fois les questions qui ont déjà été posées par mes collègues et vos réponses qui étaient assez éclairantes. Merci, merci Madame la, la députée. Si vous le souhaitez, je pourrais faire, des, je pourrais faire des, des réponses beaucoup plus courtes pour permettre de ne pas aborder en, en avance de phase les différents sujets. Euh, vous, je pense que vous avez raison de parler d'influence. Euh, je pense que cette fonction d'influence, qui est d'ailleurs une fonction qui euh, apparaît désormais comme une fonction stratégique dans la revue nationale stratégique, euh, elle porte aussi... Euh, sur ces capacités-là. Il y a une volonté à, en tout cas, empêcher la stigmatisation de l'industrie de défense, euh, d'abord parce qu'on voit bien aujourd'hui tout son intérêt pour euh, assurer la sécurité de nos concitoyens, mais également parce que nous avons besoin d'attirer des talents, nous avons besoin euh, de pouvoir recruter et bien évidemment tout ce qui va dans le sens. Et je pense que le ministre s'est abondamment exprimé sur le sujet de cette taxonomie qui pourrait euh, venir euh, derrière. Je regarde le député Thierry, parce que je sais très bien que là aussi c'est un sujet dont nous avons euh, abondamment euh, débattu euh, et quelque chose sur lequel nous nous mobilisons avec le ministre et avec le ministère des, des armes. C'est un vrai combat de faire comprendre euh, tout simplement que cette industrie de défense est une industrie euh, vertueuse, qui est industrie, qu'elle est une industrie, et je vais être assez euh, pragmatique, rentable, parce que euh, chaque euro euh, investi dans l'industrie de défense, si on parle strictement finance, engendre euh, un retour sur investissement et un retour sur investissement immédiat. Et donc, voilà, c est, c est, nous ne baissons pas la garde, euh, comme euh, le dirait le général de Gaulle, et nous, nous essayons effectivement euh, de euh, maintenir cet effort qui est dans notre intérêt euh, commun, euh, mutuel. Donc, ces référents bancaires euh, font partie. Nous avons des structures également à, à, à Bruxelles qui, qui, euh, qui travaillent avec nous de telle manière à ce que euh, on puisse faire comprendre la nécessité absolue de soutenir euh, cette, cette, euh, cette euh, comment dire, ce bien fondé euh, de l'industrie de défense qui aujourd'hui est une richesse à la fois pour la France et pour l'Europe. Merci. Enfin pour le groupe Horizon, la parole est à Jean-Charles Larseneur. Merci Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, merci de votre disponibilité à cette heure tardive. Euh, je tiens à votre suite à adresser de chaleureuses félicitations aux agents et au personnel de la DGA euh, qui n'ont pas ménagé leur peine au cours de ces derniers mois. Euh, saluer, comme vous l'avez fait, le tir du M51 réussi. Chaque tir de M51 réussi est une réussite pour la France et pour la crédibilité de notre dissuasion. Euh, J'en profite pour saluer aussi très chaleureusement les personnels de la DGATN, à Brest et à Toulon, et dans d'autres sites également. Euh, sur les budgets et les crédits prévus en LPM satisfaits sur les 10 milliards d'euros consacrés à l'innovation, je n'y reviens pas dans le détail. J'aurais trois questions, une générale et deux techniques, dont vous me direz si vous préférez y répondre à huis clos ou en public. Euh, la question générale. Pose à euh, trait à la question de l'innovation et à celle du rattrapage. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire, au fond, ce qui en France aujourd'hui relève plus du rattrapage technologique euh, ou de l'innovation. Je tire le, le sujet aux extrêmes. Euh, euh, les gravimètres à atomes froid, c'est l'innovation euh, de rupture radicale. Euh, et nous travaillons en ce sens. Euh, certains drones à voilure fixe, c'est plutôt du rattrapage par rapport à d'autres puissances. Donc, euh, par rapport euh, à d'autres puissances et au regard des investissements que la France consent sur ces sur sur, sur l'innovation de défense, euh, euh, pourquoi faisons-nous tel ou tel choix euh, et, et pourquoi sont-ils raisonnables en matière d'innovation ou de rattrapage Merci pour votre éclairage sur ce point. Les deux questions techniques, je regarde le chronomètre, euh, portent sur euh, le plan de charge et les commandes prévues en LPM sur euh, la 400 M, très belle machine, euh, mais dont je m'inquiète un peu de, des rythmes de commande. Euh, et notamment, euh, avec euh, à l'esprit de savoir si elle repose ou pas sur un, des projets d'exportation. Et euh, le second point, euh, sur un point qui n'apparaît pas explicitement euh, en LPM, mais qui est un point extrêmement sensible, qui est celui des antennes filaires. Évidemment, un sujet euh, clé à la fois pour nos sous-marins et également pour nos frégates anti-sous-marines. Merci. Monsieur le délégué général. Alors, d'abord, merci pour ces. Euh... Cet hommage au tir du, du M51, c'est toujours effectivement assez magique de tirer une petite fusée euh, euh, à, partir de, euh, à partir des profondeurs marines. Euh, J'étais en Bretagne il y a quelques jours, je me suis quand même fait un petit peu euh, attraper par les pêcheurs de langoustines. <laughs> voilà qui. Absolument, euh, puisque nous avons dû neutraliser quand même une petite euh, zone dans ce, ce domaine-là. Innovation, rattrapage technologique, c'est quelque chose euh, évidemment qu'on euh, considère à chaque fois. Euh, vous avez raison, il y a des ruptures technologiques, et le quantique en fait partie, euh, où il s'agit d'aller plus vite et de ne pas être déclassé. Mais même dans le cas du rattrapage, je vais vous parler des, euh, des drones euh, à voileur fixe. Effectivement, nous étions en retard. Mais il ne s'agit pas de rattraper le retard. Il s'agit de préparer l'avenir dans une cadence qui est compatible euh, avec euh, celle des programmes qu'on met en place. Et donc, à chaque fois, on va essayer, et c'est le cas dans les différents programmes que, euh, que l'on que lance, de ne pas euh, procéder simplement, entre guillemets, pour le simplement, à du rattrapage. Mais bien à préparer les évolutions futures, même si on part de plus loin. Euh, et finalement, ça nous donne l'opportunité de le faire. Il hein. euh, euh, y a pas mal de discussions qu'on avait déjà eues dans le domaine, notamment de la téléphonie mobile, où on, on voyait que certains pays qui au départ étaient euh, en retard sont aujourd'hui en avance. Eh bien, c'est exactement ça que nous essayons de faire. C'est quand on a un retard, aller plus loin que le rattraper, mais euh, pouvoir anticiper les systèmes, les systèmes futurs. Sur le sujet euh, le sujet de euh, la 400M, euh, la réponse est claire, euh, c'est euh, au moins euh, 35 euh, avions pour le parc 2030 et cette cible est euh, évidemment euh, inchangée. Nous maintenons euh, notre euh, notre cible, notre cible de euh, de commande. Euh, effectivement, on travaille également avec l'industriel sur euh, sur l'export, mais euh, je vous je, je je vous réponds très fermement sur ce point. Sur les antennes filaires, alors effectivement, vous allez chercher des des, des détails qui sont assez euh, assez techniques, mais ça tombe bien, j'aime bien euh, la technique. Euh, nous avons, euh, vous savez qu'on développe un certain nombre de euh, de programmes, notamment vous avez le programme Essena Barracuda euh, qui est en cours, mais vous avez aussi un programme qui s'appelle évolution et Sénat, et qui intègre justement, euh, et qui prévoit l'intégration de ces nouvelles antennes, générations d'antennes filaires, développées justement dans le cadre de, de l'innovation. Voilà pour la réponse à vos euh, trois questions. Et pour les A400M, vous avez tous noté que c'était trois A400M je crois qui avaient été mobilisés récemment dans le cadre de l'opération Sagittaire. Euh, voilà, mais bah écoutez, merci euh, Monsieur delgué et merci mes chers collègues pour cet exercice de réactivité. Nous allons maintenant passer de la réactivité à l'endurance avec six questions complémentaires pour une durée de une minute. La parole est à Anjou Ted. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Délégué Général. Je vais aller rapidement à la question, puisqu'on a bien compris que l'innovation était un élément clé et que cette avance technologique est l'un des éléments d'appui fondamentaux qui permet de gagner la guerre avant la guerre, en tout cas d'anticiper et d'être une force d'appui extrêmement fiable. Euh, sur ces sujets programme d'innovation, j'aurais juste voulu vous interroger sur les programmes Astrid et Astrid Maturation. Euh, qui sont mis en place depuis un moment. Euh, comment vous les coordonnez Quel regard vous avez là-dessus Quel bilan vous tirez de ces programmes depuis qu'ils ont été mis en place Et comment pensez-vous qu'ils vont pouvoir, avec cette LPM à venir, être poursuivis ou pas Dans quelle mesure Et ce qu'ils pourront vous apporter voilà. On encore une fois ces deux programmes Astrid et astride maturation. Merci. Merci. La parole est à Lisiane Métaillé. Merci, M. le Président. Merci, M. le Délégué Général. Je vais juste faire un retour en arrière pour évoquer le futur. Vous écriviez en 2019 dans la revue Défense Nationale un article intitulé L'intelligence artificielle, un moteur de l'innovation de défense française. Vous identifiez alors l'IA comme l'une des garanties d'autonomie stratégique française et vous appeliez à éviter le déclassement en se concentrant sur de nouveaux champs et approches dans le domaine frugalité, explicabilité et vulnérabilité des systèmes. Et vous incitiez également à un élan national en la matière. Notamment en termes de recrutement. Quatre années plus tard, vous dirigez la DGA et certains systèmes d'IA qui étaient à l'époque balbutiants sont désormais connus, voire utilisés du grand public. Et je pense notamment à l'agent conversationnel ChatGPT. Aussi, j'ai trois interrogations rapides. Donc, dans quelle mesure avons-nous réussi le tournant que vous appeliez de vos voeux en 2019 Sommes-nous dorénavant souverains dans ce domaine Et enfin, quels seront les principaux points d'amélioration à envisager en matière d'intelligence artificielle Je vous remercie. Merci. La parole est à Mélanie Temain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, je vous remercie pour votre propos et je vous remercie de revenir devant nous pour préparer l'examen de cette loi de programmation militaire. En janvier dernier, vous aviez dévoilé lors de vos vœux aux invalides votre plan pour rendre la DGA plus simple, plus efficiente, avec notamment de nouvelles directions et une force d'acquisition rapide pour les commandes notamment urgentes d'équipements. Pouvez-vous nous indiquer comment la LPM soutient l'orientation de la direction des opérations pour appuyer le maintien en conditions opérationnelles, notamment la durée des cycles de réparation et leurs coûts J'avais un second élément de, de question. Lors de l'exécution de la précédente LPM, je voulais revenir sur la création de votre task force pour suivre les difficultés rencontrées au sein de l'industrie de défense pour la livraison des griffons et mettre en place des mesures de rebond destinées à alimenter les trésoreries défaillantes des industriels, avec notamment ces anticipations de commandes. Anticipez-vous donc que la DGA va devoir poursuivre ce type de soutien, et quelles en seront les priorités Je vous remercie. Merci. La parole est à François cormier Bouligeon. Oui, monsieur le délégué général à l'armement, ravi de vous revoir à nouveau parmi nous. Je crois qu'on vous a plus vu que certains de nos membres les moins assidus. Ça, c'est pour le tir à bout portant. Moi, je voulais vous interroger sur les feux dans la profondeur, qui sont un des sujets majeurs. C'est ce que nous enseigne le conflit en Ukraine. Le CEMAT a plaidé pour un remplacement des lance-roquettes unitaires, les LRU, d'ici 2027. Le rapport annexé au projet de LPM annonce une cible d'au moins 13 systèmes pour fin 2030 et d'au moins 26 pour l'horizon 2035. Toutefois, le système qui remplacerait les LRU n'est pas encore arbitré, ce qui m'amène à vous questionner sur la faisabilité, la viabilité et les incidences de l'alternative française au iMars américain, pour lequel un achat sur étagère poserait de sérieuses questions de souveraineté. Si j'avais encore un peu de temps, je vous aurais interrogé pour que vous nous précisiez le calendrier de l'ASN 4G. Et puis peut-être hors audition, je pourrais vous faire un retour d'expérience sur Orion et sur le système SICES. Très bien, la parole est à Natalia Pouziref. Merci Président, Monsieur le Délégué Général. Je reviendrai sur la défense solaire, notamment la, le solaire moyenne portée. L'évolution du SOMT se poursuit par le standard océan qui présente une capacité initiale d'interception de cibles hypersoniques en phase terminale. Néanmoins, face à l'évolution des menaces qui sont de plus en plus véloces, disposer de capacités d'alerte avancée devient crucial. Nous l'avons d'ailleurs relevé dans notre mission d'information, la mission menée avec Jean-Louis Thériot sur les défenses solaires en France et en Europe. Alors l'alerte avancée peut se faire soit par un moyen satellitaire, soit par une détection radar, euh, radar à longue portée. Donc ma, ma question sera double. Quid euh, de l'avancement des projets de coopération du type Twister et Odin's Eye euh, Et d'autre part, euh, une évolution vers un standard OC2 euh, du SMTNG NG par adjonction d'un radar type UHF est-elle envisagée pour contrer des menaces Provenant éventuellement du Sud. Merci. Euh, la parole est à Philippe Sorez. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, mes chers collègues. La France s'est engagée dans une économie de guerre depuis l'année dernière en raison du conflit en Ukraine, selon les termes du président de la République. Lors des auditions de notre commission, nous avons discuté et en détail des leviers qui nous permettraient d'être pleinement efficaces dans ce nouveau contexte, notamment par le truchement des normes, des crédits, de la conduite d'opérations ou encore de l'approvisionnement. Pour ma part, j'aimerais aborder la question de la mobilisation des ressources humaines, en particulier la pénurie de main-d'œuvre et des difficultés de recrutement au sein de notre BITD. Pour ma part, me, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est aussi nécessaire d'accroître les ressources humaines pour augmenter significativement les cadences de production, d'autant plus que l'industrie de défense repose sur des compétences dont l'acquisition prend du temps. Ainsi, monsieur le directeur, Comment pensez-vous que les difficultés de recrutement actuelles pourraient affecter l'économie de guerre en France et quelles sont les mesures que vous envisagez pour y faire face Par ailleurs, j'aimerais savoir si vous considérez que les propositions d'une réserve industrielle ou le développement de prêts de main-d'œuvre entre industries pourraient être pertinentes. Je vous remercie. Merci, la parole est à Julien Rocoul. Merci monsieur le président, monsieur le délégué général. Lors des auditions dans le cadre de mon rapport sur les stocks de munitions, les représentants du ministère de l'Intérieur m'ont clairement dit qu'ils ont subi des fortes tensions d'approvisionnement sur les munitions de nos forces de l'ordre en début du conflit ukrainien. Le ministère de l'Intérieur travaille sur un projet de relocalisation d'une filière française de munitions de 9 mm pour les forces de sécurité. Ils sont convaincus de la rentabilité économique de leur projet. Les munitions fabriquées en France coûteraient 6 centimes moins cher que celles importées actuellement. Il apparaît de fait assez logique que nous soyons dans le même cas pour les munitions de 5.56 ou même de 12.7 davantage utilisées dans les armées. Lors de la préparation en amont de la LPM au sein des, du ministère des Armées, vos services, vos services ont-ils proposé une étude chiffrée au ministre, au ministre pour relancer une chaîne de production française de munitions de petit calibre la France ne peut rester le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU sans filière nationale de munitions de petit calibre. Je vous remercie. Merci. Et enfin la parole est à Franck Giletti. Merci pour la conclusion. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général. Euh, le 14 avril dernier, la Cour des comptes a publié un rapport sur la DGA de missiles. Cette entité est en charge des essais de missiles au profit des programmes d'armement français, mais aussi de l'entraînement des forces. La Cour des comptes alerte sur les conséquences engendrées par la réduction des moyens. En effet, entre 2008 et 2023, les effectifs sont passés de 1224 à 935 ETP, équivalent en temps plein, soit une perte de presque 25%. Ce même rapport de la Cour des comptes note que les capacités de la DGAEM sont vieillissantes et parfois saturées. Par conséquent, peu de créneaux d'essai sont alloués aux industriels pour leurs besoins propres. Et ce, alors même que la présente LPM prétend une augmentation des équipements et en particulier des munitions, des programmes et des entraînements de nos forces. C'est le cas notamment des missiles avec le remplacement des Crotales par des MICA. Ma question est donc la suivante. Ce projet de loi donne-t-il à DGAEM les moyens d'assurer sa mission dans ce contexte de retour vers la haute intensité et d'exigence renforcée sur le soutien Je vous remercie. Merci, Monsieur le délégué général. Vous avez la parole. C'est à moi. Bien. Alors, est assez dense euh, et assez vaste. Euh, donc, madame la députée, sur euh, l'innovation et sur les dispositifs euh, Astrid et Astrid Maturation. Alors, je, je rappelle quand même que euh, ces dispositifs-là sont des dispositifs qui sont destinés à soutenir des euh, projets d'innovation qui sont à faible niveau de maturité technologique. Euh, vous savez qu'on a différents types de soutien au projet. Le, le bas TRL, lorsque ce TRL pour niveau de maturité technologique, une échelle qui a été mise en place par la, DGA, euh, par la NASA justement, qui est utilisée de manière assez universelle. Euh, quand ces premiers projets qui sont par exemple des projets universitaires de laboratoire sont dérisqués grâce au dispositif Astrid, on peut passer en Astrid maturation. C'est typiquement ce que l'on a fait d'ailleurs dans, dans, dans des systèmes de PCR rapide qui ensuite ont été soutenus par d'autres dispositifs comme par exemple le dispositif rapide qui lui s'intéresse au TRL plus, plus élevé jusqu'à l'accélération du projet d'innovation et le fait de développer un prototype pré-industriel. Donc en fait quand on regarde et je dis ça pour l'ensemble des, euh, euh, de, des, des parlementaires qui sont ici, on a un dispositif d'accompagnement qui est assez complet de l'astride pour le plus bas jusque rapide et projet d'accélération d'innovation pour le plus haut. Euh, Astrid, c'est environ 10 millions d'euros par an. Euh, c'est entre 2011 et 2022, 425 projets. Euh, avec euh, env environ euh, 300 000 euros par projet qui ont été euh, soutenus. Et à trait de maturation, c'est quelque chose qui est apparu de manière plus récente, puisque le, le dispositif a été euh, développé en, en 2013. C'est de l'ordre de 4 à 5 millions euh, d'euros par an. Euh, et ça a représenté entre 2013 et 2022 63 projets. Ce sont des choses qui marchent bien. Et effectivement, dans le cadre de euh, l'AEPN, nous avons pour vocation de pérenniser ces dispositifs ainsi que le dispositif rapide. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les adapter, mais en tout cas, ce, le retour d'expérience est bon. Les rapides pour information, c'est depuis 2009 environ 750 projets, 540 millions d'euros en tout euh, de, euh, de, de soutien, et l'enveloppe qui est allouée est de l'ordre de 50 millions d'euros par an. Voilà à, peu près le, voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur euh, ces euh, différents programmes. L'intelligence artificielle. Alors, euh, effectivement, j'ai écrit des choses, ensuite ça se retourne contre moi, mais en fait, en l'occurrence, non, puisque je pense que nous avions raison. Et d'ailleurs, je rappelle que Vladimir Poutine avait, euh, avait déclaré euh, à peu près à la même période que celui qui maîtriserait l'IA euh, maîtriserait le monde. Euh, Est-ce qu'on a réussi euh, En tout cas, on n'a pas, pas raté. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je considère que l'intelligence artificielle qui, euh, est une véritable rupture dans, ce, dans le sens que ça marche. Euh, ce n'est pas la technologie en elle-même qui est une rupture. C'est La technologie d'intelligence artificielle elle est connue depuis les années 50. Mais c'est parce qu'on a aujourd'hui la disponibilité des données, la connaissance des algorithmes et les capacités de calcul qui permettent de les implémenter qu'on a une convergence de ces trois facteurs qui font que vous voyez euh, émerger des structures, des systèmes comme ChatGPT. Euh, chat D'ailleurs, si Chat GPT pourrait pas être utilisé en audition, mais bon, on ne sait jamais. Ce sont des idées comme ça. Euh, voilà. Nous avons créé la cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense euh, au sein du ministère des Armées. Moi, je pense que c'est comme la prose de M. Jourdain, hein, L'IA, elle va se trouver dans l'ensemble des systèmes, qu'il s'agisse de systèmes d'information, qu'il s'agisse de systèmes de logistique, de maintenance, de maintenance préventive, par exemple, comme de nos systèmes d'armes, avec toute la euh, réflexion qui a autour et qui a bien maturé autour des systèmes d'armes létaux intégrants euh, de l'autonomie. Et vous savez d'ailleurs que ce sujet-là a été euh, abordé avec le comité d'éthique de, de la défense, qui nous a donné des lignes rouges auxquelles nous nous euh, conformons euh, scrupuleusement puisque le ministre a décidé effectivement de les euh, de, de les retenir euh, nous avons euh, des résultats en ce sens que l'IA, par exemple, le programme qui s'appelle artemis.ia, qui est un programme qui euh, vise à nous doter d'une infrastructure et notamment d'un système de, euh, de nous permettant de pluguer différents algorithmes autour d'un système de gestion des données, puisque quand on parle de l'IA, on doit parler forcément de la politique de la donnée. Donc ça, ça fait partie des travaux qui sont en cours, avec des cas d'usage qui sont pour les deux plus, euh, les deux plus récents. Euh, L'innovation euh, liée à l'intelligence artificielle en manière de santé et l'innovation liée à l'intelligence artificielle en matière de renseignement. Euh, voilà. Donc oui, je pense que euh, par rapport à ce que j'ai pu euh, commettre euh, il y a euh, il y a quelque temps, nous euh, avons une approche souveraine qui nous permet aujourd'hui de euh, de ne pas être déclassé. Je vais vite. Hein, si vous avez des choses à me donner, euh, vous me le dites. Hein. Euh, Madame la députée, sur euh, le programme Impulsion, et euh, c'est pourquoi ça, oui d'accord, euh, euh, le programme Impulsion, euh, qui est le programme de transformation de la DGA que j'avais euh, euh, abordé, euh, il euh, concerne bien évidemment la direction des opérations, qui dans ce projet, comme je l'avais annoncé, devient la direction des opérations du maintien en condition opérationnelle et du numérique. Encore une fois, euh, vous savez que le MCO, aujourd'hui, est la prérogative de l'état-major des armées, et non pas de la DGA, même si nous avons des ingénieurs de l'armement dans les trois services de soutien. Le ministre nous a confié le mandat d'avoir une approche globale en termes de MCO pour pouvoir en discuter, discuter de l'efficience globale des systèmes au moment où on les spécifie et au moment où on les négocie. Et c'est l'une des... C'est l'une des missions que nous confions à cette nouvelle direction des opérations du MCO et du numérique. Et quant à la, à la task force que que vous mentionnez, évidemment, ce type de ce type d'approche sera euh, autant que possible euh, généralisé. On parle beaucoup d'économie de guerre en ce moment. On oublie aussi qu'on vient d'une période qui est qui était une économie de crise, qui était celle de la Covid, et dans laquelle on a dû gérer déjà un certain nombre de, de difficultés que l'on retrouve aujourd'hui, combinées à celles de, de l'économie de guerre. Sur le sujet des euh, lance-roquettes unitaires, des feux d'un en profondeur pour, euh, pour la LPM, Effectivement, euh, compte tenu du, du retour d'expérience que nous observons euh, dans le contexte de, de l'Ukraine, cette modernisation de la... Capacité de frappe longue portée est évidemment euh, indispensable, euh, d'autant plus que cette capacité LRU française arrive dans les dernières euh, étapes de son cycle de vie et sera bientôt frappée d'obsolescence, euh, et que euh, nous accentuons ça avec la cession d'un certain nombre de systèmes à euh, l'Ukraine. Donc, bien évidemment, euh, nous avons des travaux en cours sur la détermination du réel besoin opérationnel, et donc euh, ce sont des discussions avec l'état-major de, des armées et l'état-major d'armée, ça ne le, mon rôle de les euh, commenter, néanmoins pour répondre à l'expression de besoin qui sera fixée de toute manière, nous aurons deux solutions. une première solution qui consisterait à prendre une solution sur étagère, et la solution sur étagère aujourd'hui, c'est effectivement la solution imars américaine, qui a l'avantage d'être une solution existante, mais qui euh, nous introduit un risque de dépendance, et nous parlions tout à l'heure de souveraineté. c'est typiquement un cas, un cas d'usage ou de développer une solution souveraine, qu soit, que ce soit une solution euh, souveraine nationale ou une solution souveraine européenne à partir des compétences, puisque nous avons donné notre base industrielle et technologique de défense, des compétences qui existent dans ce domaine-là. Je pense à des, euh, des sociétés comme MBDA, comme Ariane, comme Safran, qui, avec qui on est déjà en discussion pour discuter de, 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 de la conception d'une solution nouvelle, euh, évidemment avec l'avantage de préserver, euh, on en parlait tout à l'heure, notre souveraineté, euh, et également de renforcer notre base industrielle, euh, qu'elle soit euh, française ou européenne. Dans tous les cas, il y a un choix à faire entre le délai et de coût. On va demander à nos industriels de faire leurs meilleures propositions en fonction de l'expression de, de besoins pour une solution souveraine. Et nous aurons un point de passage euh, en 2027, compte tenu de la gestion d'obsolescence qui sera faite dans, de, dans ce domaine-là, pour lequel un euh, premier choix devra être fait entre la gestion de l'obsolescence et le remplacement. Et en cadre de remplacement, le choix entre ces deux solutions, qui sont d'ailleurs des solutions qui sont exclusives. On ne va pas faire les deux en même temps. En tout état de cause, ce qui est prévu... Euh, C'est euh, d'avoir euh, 600 millions d'euros consacrés à ce sujet sur la période de la LPM, avec euh, 13 systèmes disponibles dès 2028 et une cible finale qui pourrait atteindre plusieurs dizaines, euh, et en utilisant euh, notre savoir-faire sur les programmes des segments de frappe longue portée air et navale qui pourrait apporter de la technologie souveraine pour la frappe longue portée terrestre. Voilà sur le sujet SNU. LRU il est tard, vous l'avez souligné. Euh, je serais intéressé d'avoir, effectivement, hors euh, audition, votre, votre retour d'expérience sur votre perception, euh, perception d'Orion et des systèmes d'information de communication. Demain, le, le système d'information du combat Scorpion que vous avez euh, mentionné. Quant à l'agenda de la SN4G, j'ai bien peur qu'il ne soit classifié. Donc, ce n'est pas. Euh, le sujet SMPT-NG, euh, je vous demanderai si vous voulez bien, ainsi que les sujets d'alerte avancée, de pouvoir les traiter dans la partie euh, huis clos de cette, euh, de cette séance. Euh, sur, monsieur le député, sur le, le sujet de la main d'œuvre du recrutement euh, dans ce contexte d'économie de guerre, vous avez raison, c'est un enjeu stratégique. Euh, qui euh, tout est dans tout. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de travailler à l'attractivité du secteur de l'industrie de, de la défense pour les jeunes générations. Ça doit s'accompagner d'un travail sur l'identification. On l'avait un petit peu mentionné des compétences critiques. Euh, dans ce domaine-là, qui ne sont pas, encore une fois, des, des, des compétences qui sont uniquement extrêmement techniques, mais vous allez avoir effectivement euh, des soudeurs, des ajusteurs de précision, des maquettistes. Voilà, si vous allez à, à DGA euh, Technique Navale à Val-de-Reuil, euh, ben vous allez voir qu'il y a des gens qui savent faire des maquettes. Ce sont des compétences qu'on a du mal à trouver euh, euh, aujourd'hui, et donc ça nécessite de travailler assez tôt. Avec les entreprises d'une part, mais aussi avec les, les formations, euh, c'est-à-dire avec les écoles, en utilisant des modèles comme ceux de l'apprentissage ou de l'alternance, euh, qui euh, sont des modèles qui marchent bien et qui font partie des chantiers RH que nous avons euh, que nous avons lancés. Et puis euh, avoir cette capacité d'accélérer, qui est le fondement même de l'économie de guerre en cas de crise. Et vous avez parlé de cette faisabilité d'une réserve dans l'industrie de défense. Oui, j'y crois absolument de la même manière que je crois à la nécessité de renforcer la réserve propre de la DGA, puisque nous avons une réserve de, de la Direction générale de l'armement. La faisabilité, elle est acquise. Le but, c'est d'avoir un objectif de 2000 réservistes qui auront un statut militaire, qui seront gérés par la DGA, qui seront recrutés dans un premier temps parmi les futurs et les jeunes retraités des industriels qui nous permettra à la fois de former les jeunes. Mais aussi de pouvoir les, euh, les rappeler euh, en service actif, sachant que 700 sur les 2000 vont euh, euh, provenir plutôt euh, des PME, des chaînes de sous-traitance qu'on évoquait, euh, qu évoquait tout à l'heure. Les besoins en, en vivier, nous, nous les avons définis en discutant avec des entreprises. On a discuté avec euh, des gens comme Marcus, Thales, Airbus, Naval Group, euh, Piriou, mais aussi avec les, les, les euh, services de soutien, donc euh, euh, le, le SMITER, le SIAE et le CIMU qui nous permettent de pouvoir quantifier ces besoins en termes de réserves. Effectivement, tout ceci concerne évidemment la DGA elle-même, puisqu'elle subit une concurrence rude avec nos industriels de défense. Et donc, c'est tout le travail qu'on a autour des parcours professionnels pour que les gens puissent aller passer quelques temps de l'industrie vers la DGA, de la DGA vers l'industrie, en valorisant dans les deux sens les compétences qui ont été acquises dans euh, ces deux euh, domaines. Alors, c'est quoi ça Oui, oui oui, euh, oui, 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 absolument. C'était, monsieur le député, sur le le, 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 le petit calibre euh, en particulier et sur la, la finière munition. Euh, nos approvisionnements aujourd'hui sont sécurisés. On ne risque pas une rupture temporaire d'approvisionnement sur les munitions que vous signalez, en particulier 762-556. Euh, une filière pourrait être envisageable à partir, à partir du moment où elle a un sens, elle a un marché. Alors effectivement, peut-être qu'on pourrait arriver à, à produire moins cher. Il faudra encore qu'il y ait des clients euh, et que cette filière soit soutenable sans avoir besoin d'être perfusée par l'État. Donc on ne ferme pas la porte du tout euh, à, cette, euh, à ce sujet. Je pense d'ailleurs que le ministre s'est exprimé, exprimé sur le sujet. Nous pourrions euh, soutenir au moins le lancement d'une nouvelle filière s'il nous était proposé. Et donc euh, s'il y a des propositions, nous les examinerons. Mais à condition de pouvoir être soutenable dans la durée. Euh, sachant que encore, euh, là encore aujourd'hui, nous savons nous approvisionner notamment auprès euh, du marché et de nos partenaires. Et enfin, euh, en ce qui concerne euh, effectivement le, le rapport de la Cour des comptes et le, le centre des GAEM, alors je me suis même rendu dans euh, 90% des centres de la DGA, et donc dans les deux centres des GAEM, puisque c'est, comme vous le savez, un centre à Biscarrosse et un centre euh, au Levant, que je vous conseille d'ailleurs si vous avez l'occasion de visiter. Alors il ne faut pas se tromper, il y a un village, natu un village naturiste à côté, mais euh, voilà. <laughs> c'est ça. Euh... Bien, en fait... En fait, pardon oui, Je ne dis rien. Euh... Dans, le domaine, dans ce domaine-là, euh, dans tout ce qui touche à la dissuasion, nous avons un programme de modernisation qui s'appelle Proté et qui euh, vise à euh, moderniser effectivement euh, les capacités de, des différents centres. Les budgets d'investissement de la DGA sont des budgets qui sont en augmentation dans les mêmes proportions que les programmes. Effectivement, alors ça c'est quelque chose que je trouve assez vertueux. Euh, finalement, c'est-à-dire qu'on ne va pas se payer des choses euh, en avance de phase. On lit euh, chaque fois qu'il y a un programme, euh, on essaye d'anticiper les conséquences sur nos capacités et les équipements de nos différents centres. Et effectivement, euh, lorsqu'on a des, des, des creux de besoins besoin nationaux, lorsqu'on a des besoins export, eh bien, les essais payants industriels vont contribuer au financement de ces de ces, de ces nouvelles capacités. Merci Monsieur le Délégué Général pour cet exercice de réactivité et d'endurance. Il est temps de passer à huis clos, surtout si on commence à parler des villages naturistes. Donc je te demande de suspendre la retransmission audiovisuelle.